affiché là-bas. Et quand vous remarquez très souvent, même les pauvres, L'UDPS présente son projet de société, l'opposition se présente pour son projet de société. Ils vont devant le peuple. Vous voyez, voilà le rôle du peuple. Le pouvoir vient avec son projet, l'opposition vient avec son projet, il vient devant qui? Devant le peuple. Tous ceux. Alors, maintenant, j'entre dans la notion de ce que je voulais, après avoir terminé la notion de démocratie, là où la démocratie a commencé, là où la démocratie est allée, tout ça, ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vais démontrer que la démocratie était un concept pluriel et que la démocratie s'opposait à certains régimes politiques, par exemple la dictature, les régimes de Marcel Homme. Nous avons vécu la dictature ici. Et maintenant, je démontre la violence pendant la période électorale. Alors, ici, dans ce concept ici, je crois que pour un premier temps, nous allons les voir, je vais définir la violence. Deuxièmement, je vais voir les origines de la violence. Je vais voir quelles sont les causes de la violence électorale. Troisième point, les déclencheurs. Quelles sont les manifestations, les éléments qui poussent que nous nous attentions. Il y a un risque qu'il y ait une violence électorale. Et je vais voir quelles sont les approches pour prévenir, puisque le terme d'amour auquel elle est, comprendre les causes de violence pour les conjurer, donc pour les prévenir. En réalité, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes venus pour prévenir. Et c'est notre rôle en tant que société civile. Prévenir, informer, sensibiliser. C'est le pouvoir qui a les attributs. Il a l'armée, il a la police, il a tout ça. Mais nous, les ONG, on vient, on sensibilise. On vous dit attention, les élections approchent. Le pouvoir nous appartient. Ils vont venir ici, lui l'a dit. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai voulu sélectionner Bato et Ondatiaki. Je les ai mis là, puisque le procureur parle, la CENI parle, la société civile de femmes parle, et moi aussi, je donne les noms. Vous voyez, ils vont venir dans un peu de temps. L'homme de la CENI a dit dans 2 mois, 3 mois, ils seront ici. Ils sont là pour conquérir le pouvoir. C'est de l'opposition vers l'avoir le pouvoir. C'est du pouvoir qui veut que tu aies un peu de temps, mais tu maintenant, il y a des gens qui ont fait Vanda. Donc, il y a des gens qui ont fait ma COVID. Il y a des gens qui ont idéologie. Il y a ma yen. Vous pouvez dire pour moi, mon ami. En rouge, on a écrit Mbandaya politique et quel est Kimbeni. Voilà. Angeke l'opposition. Mouke na pouvoir. Avec l'union, sauver de quoi dans le peuple. Peuple qui est Yanina, Bédawa, Yanina, Maman Déli. Non, pouvoir, mon en opposition. Exemple, 5 ans après, c'est bien que vous avez dit que Maman Déli ne bougez pas. C'est pédagogique, Nous, on vient sensibiliser, nous, on ne vient pas faire de l'académisme. C'est bien de plus en moins, plus ça. Campagne électorale, si vous êtes. Yanni Moutouman, Yanni pouvoir. Yanni n'a pouvoir. C'est bien de plus ça. Mais depuis dans toi, la nani, dans le peuple qui passe. Souvent, ça me dit violence que quota l'élection. Mais tu as pu expliquer. D'emblée, c'est que liberté qui est étouffée. Très souvent, le pouvoir étouffe. Très souvent. Attends, on a peu perdu. J'ai vu la main. Tu vois? Donc, par exemple, pourquoi les causes de violence? À cause de la violence qui est mise, l'injustice, le respect des droits de l'homme, l'intolérance, la frustration, la tricherie, le tribalisme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça frustre, non?
pouvoir être carrément. Bête au vert. Bon, car tu as pouvoir être affiché. Bête au vert. Hein? Petit à petit, ces sentiments-là poussent les autres à agir aussi. Tous nous sommes citoyens de ce pays. Personne, l'autre a parlé de l'égalité. La démocratie aussi, c'est l'égalité. Hein? Devant la loi. Les partis politiques sont égaux. Un parti ne peut avoir plus de droits que d'autres. C'est ce que tu dépenses à faire hier. Ah, non, le pouvoir va être. Monsieur l'orateur, je voulais vous préciser que l'administrateur du territoire est assisté par deux assistants. Moi, je suis chargé de questions politiques et d'autres chargés de finances et du développement du Biofa. Merci beaucoup. Monsieur le membre du comité de sécurité locale, Monsieur le coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme, distingués députés à vos titres et rangs respectifs. En ce moment important d'échange sur la campagne de non-violence avant, pendant et après les élections générales, libres, transparentes, et dans le délai constitutionnel, nous vous souhaitons tous cordial bienvenue. Merci. Nous remercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qu'il ne cesse de promouvoir la jeunesse. À vous les jeunes du Diofa, ayez toujours confiance à vous-même. Ne vous laissez pas manipuler par les politiciens. Les jeunes sont des gens sur qui la société peut compter. Ce sont des gens sur qui le développement des nations doit reposer. Nous disons non au tribalisme, non à la violence, non au désordre et non au conflit. Nos encouragements à l'organisateur de cette conférence pour l'encadrement de nos jeunes de la République démocratique du Congo en général et du territoire du Diofa en particulier. Et la paix règne sur toute l'étendue de notre territoire. Je vous remercie. Les applaudissements, s'il vous plaît. Maman, pardon.
Fondation Papi Labila, ça, vous mettez ça qui est bien. Dans ma Kambouya Fondation, en tout cas, Fondation Kedola Bamaman Bif. En tout cas, nous sommes partenaires là-bas. En tout cas, message à Gayo Takuma. Président de la Fondation Yayo Fangebewa. Mouge kwe sonikila an, dika na pana mettre Papi Labila, mouge kwe sonikila an, question na mouge ta pana kon mouge ke yunu ki ame touba, mouge kwe na, mouge baka ke ba imaj awa, mouge kwe na. Yake très sensible na makamu ya baka bakken. Ke beno, kanabe ke mbege kwisa bebe, beto, beto kana na beto. Mouge ke tuwa mama ya, mouge morave mama kututa bana kakre se, si yamu kututa be. D'accord. Donc, ça va. Beta, ça suit. Le projet qui a été fait est déclenché avant. Beta, puis ça vient. Même Yali Mosipi, Yali Mosipi, coordonnateur national de la Fondation Labila, Jean-Marie Labila, Maître Papi Labila, il y a quelque chose qui s'est préparé. Est-ce que même on a des photos là? Attends. Chancelier et l'échiquier. Sont à tes photos pour nous. Oui. Oui, maman, puis ma question à moi, puis y a une parité à moi, tout le chancelier de l'échiquier, sans ma photo à mettre Papi Labila, bon mon âme. Merci. Peut-être que vous avez un temps, mais nous avons un bain déjà pas dans le bain. Vous avez. Définition. Donc, parmi elles, nous pouvons retenir celle de Jean-Louis Essambo, Kangache. Dans son ouvrage intitulé « Les droits électoraux congolais », qui définit la campagne électorale comme étant une action coordonnée et systématisée à laquelle se livrent les candidats en vue d'amener les électeurs à adhérer à leurs idées ou projets de société. Je vous cite quelques articles de la loi électorale où vous pouvez lire qui vous donne la matière sur la campagne électorale. Donc, vous avez, à partir de l'article 28 jusqu'à 36, d'une manière générale, vous avez ces articles-là qui parlent de la campagne électorale. Et vous avez les articles 110, 111, 112, 138, 150, 167, 187, 196, 203, 219, de la loi numéro 17/03 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales. Quels sont les trois principes de la campagne? Premier principe, c'est le principe de l'égalité des candidats. Là, nous sommes à l'article 33 de la loi électorale. Tous les candidats sont égaux. Je crois qu'on en a déjà parlé ici.
quoi les besoins, y revenir. Là, si c'est le moment de la propagande, tout le monde, aucun candidat ne peut être empêché de s'exprimer librement parce qu'il appartient dans tel camp ou dans tel autre parti politique. Non. Ça, c'est une violation de la loi. Et le procureur a soulevé ça. Le principe de neutralité de l'administration publique, article 31 de la loi électorale. Je vais relire ça. L'administration doit se montrer exempte de toute partialité pour faire bénéficier à tous les compétiteurs les mêmes droits et avantages. Elle doit observer les devoirs de distance vis-à-vis des acteurs impliqués. À cet effet, il est interdit aux agents des carrières des services publics de l'État, les magistrats, les membres des forces armées et de la police nationale congolaise, ainsi que ceux des services de sécurité, d'apposer des affiches, de distribuer des manifestes et des circulaires électoraux. Nous ne sommes pas pendant la campagne, mais quand vous parcourez, vous trouverez des effigies, vous trouverez déjà des affiches, mais l'autorité est là. Et quand viendra le moment où un autre parti ou un autre regroupement qui peut-être ne partage pas les mêmes idéaux avec la partie, prenons les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition, là, l'autorité s'interpose, là, ce ne sont pas les principes de la démocratie. Ce ne sont pas les principes définis dans la loi électorale à l'article 31. En principe, l'autorité devrait s'imposer qu'il n'y ait pas de campagne avant la propagande lancée par la CENI. Et ça, c'est une violation. Et c'est ça qui peut tisser des tensions à la longue. Sans moment qu'il va y avoir pour ça là, même ça là, la veille, même ça là, même ça là.